quand je pense à lui, l'image qui me vient là tout de suite, c'est le père fou à la maison. Il prenait le temps de tout le temps s'amuser avec sa fille. Il était focus sur sa fille. Il se lève le matin, Rafna, est-ce qu'elle a mangé? Il lui faisait prendre sa douche, il lui donnait son biberon. Pour moi, il était le père parfait. Papa. Papa. Très bisous, papa. Il aimait beaucoup sa famille. Il aimait par-dessus tout ses enfants. C'était à la base quelqu'un de timide. À la maison et dehors, il était DJ Arafat, c'est-à-dire le Arafat que tout le monde connaît, le bruyant et tout. Voilà. C'était ma moitié. Ben, ça allait toujours, même. On me demande de intervenir à la télé. Ça me fait beaucoup mal parce que je vois que vraiment j'ai perdu quelqu'un. Parce que ils m'ont jamais appelé pour faire des émissions, la télé-réalité, me poser quelques questions sur Arafat. Donc ça me fait la peine en fait. Ça me fait beaucoup mal. Voilà. Donc je suis triste. Quand je suis triste, il me dit, mais donc vraiment, il est mort, ce dernier, il est mort, vraiment. Mais après, je me rends compte que c'est la vie. On va passer par là. Les hommes, le bac, il y a trop de niveau supérieur, Arafat, toujours moi, hommage à Dieu de Jonathan. Ouais, Jean le magicien. Jonathan, Depuis là, tu n'es pas encore prête. Non. Tu veux partir là. Je sais, mais bon. Je vais aller m'apprêter. On a pleuré pour Jonathan. Oh, y'a Jonathan. Je suis qui paie la douce lingala. Rafna, c'est le plus beau cadeau qu'il m'a donné. En fait, quand je regarde ma fille, je pense automatiquement à son père. Tu n'as pas encore fini? Si, mon père. On fait vite hein, qu'on doit rendre des hommages à. Alors, on va danser. Je fais tout pour ne pas que ma fille sente l'absence de son père. Sinon, elle le connaît très bien. Les photos, j'ai des photos à la maison quand elle voit maman à papa. Maman à papa. J'arrive même pas à la regarder. Attends, c'est bébé. Nous pouvons aller plus vite. Ah, ram, sam, sam. Dès que je sors en même temps, je. Tiens bébé. Tiens, faut mettre. C'est chargé, non? Ouais, tiens. Viens t'amener. Faut t'asseoir. Faut changer. J'ai la première fois. C'est la première fois. Yo.
C'est pour 2 jours. C'est pour mon passage d'aujourd'hui. Et puis mon passage de demain. Donc demain, on se voit loupé. J'ai pas envie de l'enlever ce moment. Le 12. J'y arrive pas. J'y arrive pas. En fait, j'ai toujours pas digéré, donc du coup, j'arrive pas. J'arrive pas à parler, j'arrive pas à parler de lui. J'arrive même pas à écouter sa musique. Ils ont peur, champi, ça trame. Il s'appelle Champi Kilo. Hey papa, c'est Yoron, c'est quoi ça? Et me voit en gagamou, hein? Ouais, chante pour la nation, il voit rien, désolé. C'est couvrir les boutons, la coudille. Salut, c'est Oscar le Moutard. Je suis venu parler un peu de mon frère Arafat, ce qui me manque. Le dernier voyage qu'on a fait, le tout dernier voyage qu'on a fait, 31 surpassés qu'on a fait pour aller à Korogo, il ne m'avait pas dit la veille, on était en train de boire. Enfin, il était en train de soigner, de faire son contrat avec le gars de Amadou Gon Koulibaly, le vieux père à son âme. Donc c'est le matin, à 4h du matin, qu'ils ont dit qu'il faut qu'il décolle pour aller à Korogo, que le contrat est bon. Donc Arafat est venu me réveiller, je crois, il est venu me réveiller à 10h. Pendant qu'on s'est laissé à 4h du matin. Donc il est venu taper ma porte, il s'est habillé en équipement de moto tout complet. Puis il est venu me trouver chez moi. Il a limé ma porte. Quand il a ouvert la porte, il m'a dit, Oscar, si tu es vraiment mon ami, il s'est assis sur mon canapé. Il m'a dit, si tu es vraiment mon ami, si tu veux m'aider, si tu es vraiment mon frère qu'on a galéré ensemble et que tu m'aimes, tu vas t'élever, tu vas t'habiller, il faut qu'on prenne la route de Korogo maintenant. Je dis, Arafat, tu sais que... On est tabaski, tu peux pas me faire ça. Il m'a dit, Oscar, si tu es vraiment mon ami là, c'est aujourd'hui toi tu vas me montrer ça. Alors faut essayer d'attraper au moins 4, 5, 6 motards, on va partir à Korogo. Il dit, mais Arafat, tu t'en rends compte? Là, est-ce que tu sais qu'il est 10h? Il a fait rouler Arafat jusqu'à on est rentré, on a pointé à 18h, pile à Korogo, c'est-à-dire de 10h. Le temps de rassembler, les gens font les vidanges, prendre la route, comme ça, et pas de couleur, Yamsoko. On s'est jamais garé tant que ce n'est pas à une station. Les Aboudinal, même qu'on démarrait à 5h du matin, 6h du matin, les gars, même en voiture, ils voyaient comment on venait les dépasser. Les artistes qui étaient invités avec nous, là, ont vu comment on roulait et qui était en tête. Les gars, on se suit pour aller au cimetière. On se conçoit le cimetière. Bouma, viens à moi. Quand on a pointé à Korogo, il y avait des motos même qui ne sont pas arrivées. Parce qu'il y a eu d'autres. Père à son âme, Félix aussi qui a fait un accident de moto vers chez moi, qui est mort aussi. Lui, il a cassé ses deux jambes dans les trous. Mais moi, mon problème, c'était London, les pères Arafat, il fallait les faire entrer. Parce que Korogo avait besoin d'Arafat. Donc moi, mon objectif, ceux qui restaient derrière, ce n'était pas mon problème. Moi, c'était de faire rentrer Arafat à Korogo, que je me tuais pour le faire rentrer à Korogo. Je vous retrouve là-bas. Je suis avec la vieille. Ok, je vais un tour rapidement chez lui à la maison où on vivait.
ceux qui disent que je ne suis pas dangereux, c'est pour vous ça. Voilà. Et si ça c'est. Il met baffe ici. Il s'assoit ici. Il met baffe. Aujourd'hui, ici devant la porte. Tu es rentré où? Je vais encore déranger tout le monde. Ne prenez pas des gens, ne prenez pas tout le monde. Sur le terrain où la tape le salto. On a tout fait ensemble, patrouillé par ces messieurs. Moi, on vient. On vient, ils me parlent bien. Ouais, c'est pas facile. Il suffit d'un pas pour vaincre ses peurs. Pour se dépasser, avec Kyrène, votre nouvel eau minérale naturelle, pure et équilibrée. Kyrène, soif de vivre. Avec Wow Music, tu peux écouter des millions de titres à 5 francs seulement la chanson. Wow! Wow Music, l'appli de streaming musical qui va te laisser bouche bée. Retrouve 11 millions de titres internationaux, dont 1 million de musique afro sur ton téléphone à partir de 5 francs seulement la chanson. Et si tu souscris avec Orange, tu peux écouter ta musique sans toucher à ta data. Wow Music, le son qui te met zon. Télécharge gratuitement l'appli Wow Music sur Play Store et App Store. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Pour ceux qui ne savent pas, je fus l'épouse de M. Wang Pierre. Donc je m'appelais Madame Wang Lobo Valentine. Et cet enfant est né dans un foyer. Il a été conçu avec beaucoup d'amour parce que mon mari, bien vrai qu'il était beaucoup plus âgé que moi, puisque j'ai été mariée à 19 ans, c'était le coup de foudre entre ce monsieur et moi. Ça a été le coup de foudre plutôt, autant pour moi. Et on s'est marié par amour. Donc, que ce soit notre première fille qui est née en 83, et Ange Didier, qui était le second enfant qu'on a eu. Et bizarrement, mon époux avait déjà deux garçons, dont Juan Stéphane, qui est aujourd'hui Didier TV3, et Juan Séverin. Donc, Ange Didier, pour moi, c'était mon deuxième enfant. Et un enfant qu'on a conçu avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Moi, personnellement, je voulais un garçon. Parce que moi-même, je suis un garçon manqué. Et Dieu a exaucé mon vœu. Il souffre, mon enfant, Mon enfant. J'ai mis au monde ce garçon. Sa naissance était spéciale. Je peux jamais oublier. Mon ange Didier est né en clinique. Dans un bon split là. Mais l'accouchement d'un petit garçon, non, pour
et il est né à 23h55, c'est-à-dire il est né entre 5 minutes avant minuit. Je n'avais ni ma mère, ni mon mari, je savais que Dieu, la sage-femme. Donc, comprenez un peu. C'est ma chose. J'ai vécu ça seul. Je ne peux pas te dire. Mon enfant. Mon enfant. Tu es le seul que je permets. C'est toi qui étais petite, puis tu es venu derrière mon enfant. Tu me rappelles. J'allais travailler le matin. Je vois l'autre patron court comme ça, puis il vient. Je mens. Je mens. Elle est avec toi. Pourquoi? Elle est avec tout toi. Tout le monde peut le trahir. On dit que c'est celui qui est à côté de toi, tu peux te tuer. Mais moi, c'est pas comme ça. Arafat, il a donné tout mon cœur. Et il était prêt pour moi, j'étais prêt pour lui. C'était comme mari et femme. L'amitié, c'est Dieu que tu donnes parce que dans la vie, quand tu sais que tu aimes quelqu'un, c'est à fond. Tu lui donnes ton cœur, tu ouvres ton cœur et rentres. Et puis, c'est tranquille. Je suis seul. Elle est avec toi. Alors, je dis Dieu, oh, mon enfant. Alors, je dis Dieu, tu m'as tué. Et il y a une sage-femme qui était avec moi, elle me dit comme ça, ton fils là, il a une étoile. Bon, moi j'étais jeune, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était étoile. En fait, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui l'aura. Donc, mon mari travaille au studio tranquille, il rentre, il a fait une séance de nuit, je crois qu'il devait enregistrer, je sais pas, il avait Reine Pelagie ou bien quelqu'un, bon, il avait un artiste en tout cas. Il est venu me trouver à l'hôpital. Et ce jour-là, ça m'a fait rire. Il a acheté, oh là là, j'adore les yaourts, chocolat, il a acheté plein de choses. Il m'appelait ma petite femme. Il a pris son bébé, on a pris mon sac, on est rentré à la maison. En tout cas, il est né dans la joie. Maman, tu as une voiture, ne conduis pas. Tu as un chauffeur, tu es nerveuse. Tu connais ça, non? Je ne voulais pas que tu roules. Tu as pris le taxi, man. Pourtant, je conduis. Hein. Maman. Je ne sors pas, je ne sors plus, j'ai fait ma carte. Quand je dis Dieu, tu as me dit. Là, tes amis. Voilà. Je suis seul. Oh. Non, tu n'es pas seul. Tu es le seul qui me dit, maman, quand je viens faire ton pourri, quand on devait faire ces choses bizarres. Tu n'es pas seul. Yu est là, je suis là, Tido est là, Badro est là, tout le monde est là. Tu m'as caché, Badro. Non, il m'a dit une fois, j'ai mon ami qui est mon meilleur ami, tu seras ça un jour. J'étais là, non? Là, c'était toi. Tout le monde est là, tu n'es pas seul. Considère que lui-même où il est, il sait que il était là, tu n'es pas seul. Laisse-moi. Voilà. Didier, là, go, plaignez. Didier, ange Didier. Ange Didier. C'est douloureux pour moi. Tu m'as jamais dit qu'on avait rendez-vous ici, dans un cimetière. Quand je me lève comme ça, je vais te voir à la maison. C'était pas dans un cimetière, je te dis. Oh. Tout le monde me suit, tout le monde me combat, mais ça glisse sous moi. Et tu es mon enfant. Tu es mon enfant. J'ai toujours travaillé, chanté dans le piano, parce que je fais 20. C'est aujourd'hui, j'ai pris du poids. Pour te nourrir, j'ai sacrifié ma vie, ma carrière pour toi. Tu te rappelles, j'étais en train de m'entraîner. Il y a encore la cassette. Maman, je vais chanter comme toi. Tu l'as fait. Tu voulais t'appeler DJ Ben Laden. Vous ne savez pas ça? Il a dit Ben Laden vient d'exposer les États-Unis. Tu veux quand même te trouver. Il t'appelle Arafat parce que c'est la première montagne où Dieu a apparu à Moïse. Il était surnommé Arafat, DJ. Aujourd'hui, tu es mort. Tous ceux qui ont pris de l'argent, qui ont ton sang sur leurs mains, Dieu va se charger, Dieu. Tu as le visage de mon Pierre. Tu as mon visage, mon enfant. Étant bébé, son papa avait des on appelle ça des enceintes, les grosses baffes là. Et il mettait la musique, mais un bébé qui vient de naître, il met à un moment, il met la musique, puis l'enfant sursautait toujours. Ange Didier, tu vas le rendre sourd, il dit, je dis. Lui, c'est mon remplaçant qui est là. Mais la musique, et puis toujours l'enfant sur ce. Dans un jour, j'ai fait des histoires, c'est pas normal. J'ai pris mon enfant pour ne pas se mettre dans la chambre. Et c'est ce qu'il a donné aujourd'hui.
Arafat. Quelqu'un qui vient. Et puis quand il sort, il vient. Depuis ce jour-là, ma grand-mère. Ma grand-mère fait ça. Mais toujours l'enfant là, il vient toujours derrière ton fils là. Ouvre la porte. Puis je le regarde comme ça. Tu as dit, disais déjeuner sur la table là. Oui, c'est le vrai déjeuner. Oui. On dit j'ai abandonné mon vieux, t'as abandonné votre déj. Toi, tu m'as coûté cher le vrai déj. Et puis Olo se gêne pas. J'ai demandé une fois à sa maman Monique. Il s'appelle comme s'appelle Didier. Dieu met les gens. Quand je dis aujourd'hui là, j'ai fait tout, tu connais. Et après, il y a eu. J'ai eu des problèmes avec son papa. Et je me suis retrouvé avec un bébé de 8 mois dans la main. Et une petite fille de. De 2 à 3 ans, si je me trompe, si je ne me trompe pas. Bon, ce qui est sûr, je me suis retrouvé en famille. Chez ma mère à Yopougon, chez mon père, chez mes parents en fait. Ils avaient acheté leur maison là-bas. Donc, le temps que les histoires se. Puisque j'étais marié légalement, on devait. Hein, et c'est sur cet enfant-là qu'il y a eu cette séparation momentanée. Donc, entre mon fils et moi, il y a une histoire. Toi ? Parle à ton frère. Et faut lui parler, c'est pas à moi. Faut lui parler. Quand j'arrive ici, j'ai froid. Parce que il y a un côté de moi qui n'est plus. Et on faisait tellement de choses ensemble que, oh Dieu, le Saint-Esprit t'a pris. Moi, ce que je peux te dire, en tant que frère, en tant qu'ami, le meilleur ami qui était prêt pour toi. Sache que tes enfants. Je vais suivre tes enfants. Tu vas suivre en ensemble, en ensemble. Valentine, pas Valentine. Valentine. La mère. Arrête de pleurer. Très douloureux. Si c'est pas parce que c'est douloureux. Vous savez, un divorce n'arrange pas les enfants. Il y a eu beaucoup d'histoires. Des fois, les enfants sont chez avec lui. Des fois, il ne veut pas me donner les enfants. Donc, quand j'ai dit avec lui dans ça, avec Marie-Emmanuel. Mais lui, il a été plus affecté. C'était des bagarres. Son père, une paire de gifles ici. Des fois, je me retrouvais à l'hôpital et tout. Et pour un petit garçon qui vit ça, il devient après quoi? Une brute. Ma mère, elle n'était pas d'accord pour ce mariage. Elle a dit que ma fille est trop jeune. Et j'ai dit à ma mère, comme ça, si je ne me marie pas avec lui, ben écoute, je me suicide. Et moi, je suis... une blackie américaine. J'ai connu mon pays à 17 ans. À 17 ans, deux ans après, je tombe sur M. Wampierre en pleine soirée, hein, c'est en boîte de nuit. Donc là, quand les gens parlent, c'est en boîte de nuit, j'ai connu Wampierre. Je suis en train de faire un playback là. Il y avait Anthony Conan, il y avait une Scofield, il y avait plein de gens, tout le monde délirait sur moi. Et le petit Weber, il était DJ. Il dit, elle, c'est ma femme. C'est quelqu'un qui avait une parole. Et c'est quelqu'un qui avait une parole, j'explique ça parce que mon fils était aussi comme ça. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Ouais Didier. Tu es parti, mais tu as laissé un frère ici. Toute ta famille, ta maman, je prends soin d'eux. Carmen, Rafna, je prends toujours soin d'eux. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je suis toujours là, je suis toujours prêt pour eux. Donc, repose en paix, frérot. Et puis, compte sur moi, on est ensemble. L'amitié qu'on a eue là, c'était pas une amitié juste, voilà, pour s'amuser et tout. J'ai été un frère pour toi. Donc, et c'est comme ça, je serai un frère pour ta famille aussi. Et je serai prêt pour ta famille. Repose en paix, frérot, on est ensemble.
dernière fois que tu m'as visité à ma banque. Oui. Tu te rappelles? Oui, bien. J'étais sur un Vespa. Oui. Tu m'as dit, maman, Didier ne me parle pas, je ne comprends pas. Oui. Je t'ai dit, je lui ai dit, pareil. Il l'a vu deux ou trois jours après. Là, j'ai dit, papa, comment il s'appelle? Oscar. Il dit, maman, il faut laisser ça ensemble. Je lui ai dit, faut arrêter. Premier jour qu'on a roulé ensemble, le lendemain, la moto d'Arafat s'est gâtée. Et puis, c'est une moto qu'on n'avait pas fini de payer. C'est cette petite moto, on n'avait pas fini de payer. Donc, les gars sont venus récupérer la moto pour dire que comme il a cassé le moteur, ils vont prendre en même temps. Donc, du coup, il s'est retrouvé sans une moto. Donc, moi, je lui ai dit, bon, moi aussi, ça n'allait plus entre Margot et moi et mamie Théo. Donc, du coup, tranquillement, je lui ai dit, bon, petit, on fait comment? Tu as un sac au dos? Il dit, oui. Il a dit, moi aussi, un sac au dos, on met nos habits dedans. C'est-à-dire, tu prends tes habits, tu prends ta serviette, tu sais pas, ta brosse à dents, des trucs comme ça. Tu commences à monter avec moi, on fait des courses. À cause de Didier, je ne sors plus. Là, j'ai fait le désaltéro. C'est vous qui devez venir mes choses. T'es soutenu. Voilà. Mais il n'est pas content, il se lève. Didier se balade avec un bâton. Ce matin, je me suis levé et j'étais en train de penser que je devais aller me recueillir un an après sur la tombe de mon enfant. Je n'ai même pas dormi la veille. Mon cœur, j'étais stressé, angoissé. Puis je disais, je monologuais, je parlais seul dans ma chambre. Je dis, ange, je dis, regarde ce que tu me fais. Quoi? Pourquoi? Mais pourquoi c'est là-bas que je dois aller te voir? Moi qui me levais pour aller te voir dans ta maison en gris. Et moi maintenant, je dois aller te voir dans un cimetière. Je ne souhaite pas cette douleur-là à quelqu'un. Et c'est fait. Et comme je suis quelqu'un qui fonctionne avec le Saint-Esprit, quelqu'un, je perds mon enfant, je suis combattu par le monde entier, mais par mes propres soeurs et frères, ils ne voient rien. Pourquoi cette méchanceté? Combattu par ma propre famille, pourquoi? Où j'ai besoin d'amour. Donc tout ça, ma question ce matin, c'est pourquoi? Pourquoi? Hier même, j'ai fait sacrifice d'eau. Ce que moi je ressens, vous ne pouvez pas ressentir ça. Maman, j'ai soif, j'ai froid. C'est ça que je vais envoyer le panier. Il a toujours dit dans ses vidéos, ne rentrez pas entre ma maman et moi. C'est comme moi, si j'insulte mon enfant, je dis tchourou, je le maudis. Qu'est-ce que vous appelez maudit? Un enfant se maudit soi-même. Quand les larmes de ta maman coulent, parce que j'ai pleuré pendant 11 ans. Arrivé à un certain moment, on a mis, je ne sais pas ce que c'était, on a mis un mur entre mon fils et moi. Moi, je suis nouche jusqu'à dans ma moelle épinière, mais je suis nouche de New York. Parce que nouche, en fait, c'est américain. C'est Snoop Doggy Dogg qui a envoyé. Il a grandi avec tous mes garde-corps. C'est ce que j'ai fait dans ma carrière qui fait. Garde-corps, machin. Je m'habille en noir. Il s'habille en noir. Je t'ai pardonné. C'est un enfant qui enterre sa mère ou son père. C'est pas une mère ou un père qui j'ai perdu mon mari. C'est pas si je dois venir voir mon fils. Il ne fuit pas. Je suis là. Je suis blessé. Je suis même quand je quitte ici là, je mange pas pendant deux jours. Là, ça veut dire. Tout ce qui vient de toi, tout ce que vous m'appelez de gérer, le moment de faire ceci, de faire cela, t'inquiète pas, les gens t'ont le fait derrière toi. Parce que tu n'étais pas là, tu étais prêt pour moi. Tu étais prêt pour toi. Mon frère, ça, sache que tu peux toujours compter sur moi jusqu'à ce qu'il se réplique la terre. Il a dit que toi et moi, on ne peut pas vivre dans la même maison parce que tu es un lion, mais c'est un lion. Donc vaut mieux que tu me complètes, aller prendre une petite maison, t'en avais 200 000, tu m'as donné, je ne sais pas, tu peux inventer un matelas, puis ça, la marouille. Mon frère, ça. Essaye de doser un peu, il faut sciencer pour nous aussi, non science pour toi. Essaye de doser pour que les gars aient du mieux. Parce qu'il y a trop de pression, trop de pression, frère ça. Il n'y a que toi seul tu pourrais gérer ça. Trop de pression, frère ça. Il y a trop. Le premier accident qu'Arafat a fait devant moi, là on habitait, ici c'est quel quartier là? C'est Palmeret. Quand on habitait à la Palmeret, avec sa moto jaune.
même jour qu'il a acheté la moto, je lui ai dit, ah, enfin, cette moto est très puissante. Il faut la conduire doucement. C'est un R1000. C'est plus puissant que tout ce qu'on roulait dans le temps que tu voyais là. Toutes les motos qu'on roulait là, celle-ci était très puissante. Celle-ci que tu as là est très puissante. Donc, faut apprendre à connaître la moto, faut gérer la moto comme tu aimes. Tout le monde sait comment Arafat est. Elle commence à lui dire, faut aller doucement, faut faire ça, faut faire ça. Il me dit, oh, va là-bas, tu es jaloux de moi. Bon, il faisait tout le temps des discussions, des paroles. Je lui disais d'aller doucement, parce qu'une moto, on ne fait pas comme ça. Donc, on sortait pour aller gazer, on partait à Yopougon. Il a remorqué un petit qui s'appelait Touti. Il a remorqué tout ici la moto, à la sortie de la 2 là, pour sortir d'ici pour aller à Yopougon. Sur l'autoroute là, il a essayé de cabrer avec Touti et la moto est quittée en bas des deux. Donc Arafat était mal blessé, il a cassé la moto même. Là, je l'ai pris en cachette, je n'ai même pas l'amené dans une clinique et tout. Je l'ai mis dans un taxi, je l'ai envoyé jusqu'à la Palmyra à la maison. Je suis allé chercher un docteur qui venait soigner Arafat chaque soir. Ça, c'était son premier accident. Et son deuxième accident, on était en train de faire un spectacle là où même il a fait l'accident, peu à son amour, il est resté. Il avait déjà fait un accident de moto là-bas, dans le même point, dans le même endroit, dans le même emplacement. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas s'asseoir pour dire. Beaucoup de trucs ici, même point. Ça faisait au moins 3, 4, 5 accidents qu'Arafat avait fait. Moi, ce que je peux te dire, la haine, l'aigreur, enlève ça dans ton cœur. C'est ça. Parce que tu es parti avec la haine, tu es parti avec l'aigreur, enlève ça dans ton cœur et je retrouve la lumière. Moi par contre et mes frères Oscar, Yuyu, Tidou, tout le monde t'ont fait du mal et aujourd'hui les gars regrettent, mais sache que tu nous manques, sache que tu nous manques, mais on va te retrouver, mais pas maintenant. Voilà, c'est pas maintenant. Oui, Oscar, ouais. Tu peux 10 ans, non? Ouais. On va te retrouver, mais pas maintenant. Pas maintenant. T'inquiète pas. Voilà. On avait peut-être, toi peut-être là, pour nous, là, c'est Dieu. Mmh. C'est rien. Mais tous ceux qui ont planifié et puis qui sont vite partis, ils vont payer ça un an. Ça, c'est clair. Et c'est Dieu. Ils vont toujours payer. Il ne faut pas t'inquiéter en face. Dieu, doucement, doucement, quand même, où tu serais couché là. Doucement, sur ton état, voilà. Dès que ça s'est passé, c'est arrivé en même temps. Quand il a vu, il est allé en bas. Donc, moi, au début, ça m'a. J'ai pas su que le truc était aussi grave. Moi, je me suis dit que comme j'ai l'habitude de chuter moi-même, plus que ça, et puis venir trouver Arafat, il a fait une chute. Donc, il a demandé au pompier directement, monsieur, mon ami, il a quel problème, est-ce que ça va aller? Il dit non, comme il a un peu bu, peut-être qu'il est un peu sonné, mais ça va aller. Donc, jusqu'à aujourd'hui, sans te mentir, sans vous mentir, moi, je ne crois même pas que mon ami est mort jusqu'aujourd'hui parce que ça ne me passe pas encore dans la tête. Peut-être après. Mais pour le moment, moi, je pense qu'il est là, tu vois, parce que comme il avait l'habitude d'aller en France, il durait un peu, tu vois. Moi, pour le moment, je ne crois même pas. Il dit, moi, je peux venir mes chaussures. Je peux voir quelqu'un mettre ses chaussures. Tous ceux qui viennent devant le dernier. Je suis avec mon papa. Il veut l'eau. Yuyu, on va l'eau. Didier veut l'eau. Yi Benoale. L'eau qui n'est pas glacée. Où est ta main? Où est ta main? Il veut l'eau. Il veut l'eau. Il veut aller pour moi. Je vais aller chercher l'eau là. Où est ta main? Où est ta main? Envoyez l'eau là. Je suis seule. Je suis seule. L'eau. Quand j'arrive au cimetière et que je me dirige vers Satan, je suis en colère. Je suis en colère, mais... En fait, j'aurais préféré qu'il soit même vivant. Et peut-être, je ne sais pas. Je suis en colère quand je vois Satan, sa photo.
Tibi, c'est pas ta place. Je suis arrivée. On m'a remis ses habits. T'as acheté 200. J'ai demandé à le voir. On dit que pas maintenant qu'il est. On l'emmène en salle de scanner. Donc j'étais là. En fait, je savais pas quoi faire. Ils l'ont fait rentrer en salle de scanner. J'ai demandé si ça allait. Ils m'ont dit non, ils vont me revenir. J'ai pris ces affaires-là, je suis allée m'asseoir. En fait, j'arrivais même pas à rester tranquille, en fait. Je courais, je... En fait, le hall de l'hôpital était devenu comme... Je courais partout. Dès que je vois un médecin passer, je cours. Docteur et mon mari. Docteur et mon mari. Envoyez l'eau. Envoyez l'eau, maman. Envoyez l'eau. Maman, maman, on est dans le bal. Maman, c'est bon que tu. Maman, fais pas ça. J'arrivais pas à croire que c'était fini. J'arrivais pas à croire. Voilà. Donc je dis non. Non, il va revenir. Et c'est après ça que j'ai commencé à coller tout. Je dis donc. Les docteurs m'ont laissé aller voir le cadavre de mon mari. Pour rien dire. Ils m'ont laissé jouer avec lui. Ils m'ont laissé lui dire qu'il va se lever, venir à la maison. Ils ne m'ont rien dit. Ils m'ont laissé, en fait. Tout le monde savait, mais j'étais la seule à ne pas savoir. Ils m'ont laissé comme ça. Je dis non, c'est pas possible. Donc, j'arrivais pas à supporter. Je me suis levée. J'ai pris la direction de ma chambre. Et je suis allée dans la douche. J'ai ouvert une bouteille d'eau de Javel et j'ai commencé à boire. Et ce sont mes parents qui sont venus me trouver par terre là avec de l'eau de Javel. Avant d'aller au cimetière, j'ai dit, Seigneur, s'il y a un problème, la maman me prend pour une folle. Mais c'est pas grave, je vais prendre ce fardeau. Ben, c'est mon enfant. Il s'agit de mon enfant. Je peux être folle pour mon enfant. Non, c'est ce que tu peux pas. DJ, maman, allons. You. Mais on augmente. You. Si je devais lui parler, on lui dit de revenir. Il me dit de revenir parce que parce qu'on devait se marier le 26 décembre. Il m'a doté le 26 décembre 2018. Donc le 26 décembre 2019, je vais devenir sa femme officiellement. Donc, si je devais lui parler,
Je lui dis de revenir. De revenir au moins tenir sa promesse. D'ici, je savais que c'est comme ça qu'il allait me laisser. Je n'allais pas accepter. J'allais rester dans mon coin. Parce que tu ne peux pas venir. C'est trop. Cœur de la fraîcheur. Avec Wow Music, tu peux écouter des millions de titres à 5 francs seulement la chanson. Wow! Wow Music, l'appli de streaming musical qui va te laisser bouche bée. Retrouve 11 millions de titres internationaux, dont 1 million de musique afro sur ton téléphone à partir de 5 francs seulement la chanson. Et si tu souscris avec Orange, tu peux écouter ta musique sans toucher à ta data. Wow Music, le son qui te met zon. Télécharge gratuitement l'appli Wow Music sur Play Store et App Store. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Quand je faisais mes vocalises, je suis le peu chanter do ré mi fa sol la si do. Et je le vois qui vient toujours derrière la porte de ma chambre. J'avais mon petit magnéto qu'on appelait à l'époque Jelly. Ouais, moi c'est Zileyo, un Jelly. Il est derrière la porte. Je dis, hé, hey, j'entends maman, je vais chanter comme toi. Je dis, il faut quitter devant moi. Je vais dire, attends, petit, il faut quitter là. Il avait deux choses qu'il aimait. Le tam-tam en Noël. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi je veux tam-tam. Son père m'appelle un jour, il me dit, écoute, Valentine. Et à Didier, j'ai attrapé Didier sur ma batterie. Il avait 6 ans. Et il faisait quoi? Et il jouait. Donc son père a commencé à le former. Bon, il a commencé à jouer la batterie à 7 ans. Un petit Phil Collins, quoi. Donc c'est pas en vain. Ange Didier, le Daichi. On peut pas aimer mon fils plus que moi. Lago! Je t'ai su l'année dernière. Mon papa n'était pas là. Mon mari n'était pas là. Oh, Lago! Quand j'ai dit tu chantes en bête, caca, je sais pas. Lago! Mais Yugwe, je pleure. Ils ont volé le funérail dans ma main. Mais ils n'ont pas volé mon enfant dans ma main. Avec mon mari, il y avait un problème. Lui, il ne savait pas. C'est ce que je lui disais. Tu ne connais pas ta valeur. Je lui dis, bébé, est-ce que tu connais ta valeur? Il me répondait toujours, oh bébé, laisse ça, moi, là, si je. T'as pensé que je ne connais pas ma valeur? Si, parce que si je commence là, il ne va plus marcher, les gens vont me porter. Il dit, c'est que faut redescendre sur terre, c'est bon. J'ai pas que 3 mots pour le décrire. Il était beau, il était moustique. Hey! C'était un trop joli garçon. J'ai mis tout sur lui. Je sais pas. Il a eu peur de faire confiance à son entourage. Il a eu peur de mettre ses amis avant sa maman. Mais on est en Afrique. On est en Afrique.
ce qui est arrivé à mon fils, je lui avais un peu dit, un moment, il n'est plus. Mais je lui avais dit, dans la vie d'un artiste, il y a un moment où tout le monde va te lâcher. Parce que moi, j'ai vécu ça. Il me disait, maman, c'est pas faux, hein. Il y a telle personne qui est contre moi. Mais il y a une femme qui a fait une vidéo sur moi dans un 4x4. Oh, il a attaqué. Elle doit tirer. Non, faut la. La crucifier. Faut la piler même finalement la moulinette. C'est ça, c'est quoi là? Toi, tu es une femme qui est là. Et puis tu passes tes camarades comme. Moi, je t'ai conduit, je te connais pas. Moi, je suis destin. Si tu vois un bout d'homme, tu es pour André comme là. Chaque jour, tu sais peut-être déjeuner. Didier Arafat savait pas danser quand il a sorti Jonathan. À cause de ça, il n'avait pas de gombo en France. Les gens se sont tellement moqués de lui qu'il a dit, bon, aujourd'hui, c'est moi maintenant qui vais envoyer toutes les danses. C'est mauvais, ça prend. Tapis vélo, des fois, quand il fait ses trucs, j'ai dit, hey, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup plaisanter. Arafat, ce n'était pas son temps. Oui, ce n'était pas son temps. Il est parti avec la haine, l'aigreur. Parce que tous ceux qui ont monté des coups contre lui, tous ceux qui étaient contre lui, moi, je ne suis pas Dieu, mais c'est Dieu, c'est seulement ton jugé. Ils vont payer ça un à un. Parce qu'il était seul. Il était seul. Même des gars même qui venaient dans leur groupe, même ceux-mêmes qui sont dans la Yoro Gang, il y a beaucoup même, ils étaient contre lui. Ils étaient pas lui, par amour. Mais Arafat, c'était un gars qui aimait l'homme. C'est ce qu'il veut expliquer aux gens. Arafat, c'est parce qu'on avait les mêmes visions qui se suivaient. Sinon, quand il le croisait à Yopougon, je vous dis bien, quand je, les Ivoiriens, quand je croisais Arafat, DJ, je le croisais sur une moto. Moi, je n'ai pas croisé Arafat si, dans une voiture. S'il avait fait un spectacle de voiture, on serait ensemble par rapport à voiture. Je le croisais sur une moto. Il est en train de faire du bruit à la rue. C'est de la même façon que je suis venu faire le même bruit qu'il a aimé. Et c'est parti de la même base. En même temps qu'il n'était pas trop connu, en même temps qu'il y avait trop de problèmes, c'est la moto, quand tu arrives de quelque part pour affaiblir les autres Didier, là, pour affaiblir les autres Didier, les Mouloukoukou, les Serpanois, là, hein, voilà, quand on arrive à nos motos, là, quand eux ferment les malins devant les filles, devant les gens, là, quand on arrive à une moto, d'abord, c'est ça qui a fait monter le business d'Arafat, au fait. La moto était à la base de ça. Quand tu étais vivant, tu as dit, maman, les Ivoiriens sont méchants. Il faut savoir où tu mets tes pieds. Hein? Didier n'était pas mon mari. Quand je vois des gens, oui, c'est à cause de ça. Vous, les gens de Facebook, là, les démons, là. C'est pas mon mari. C'est moi qui donne lui, ne fais pas comme ça. C'est pas lui de me diriger. La preuve, je suis en train de dire dans les vérités que j'ai envie de. Que j'extériorise aujourd'hui. Moi, je suis une femme moderne. Je ne suis pas une femme folklore. Si je n'étais pas chanteuse, j'allais être interprète internationale. Je suis trilingue. Je parle l'anglais, l'allemand. Je suis quadrilingue, même moi, je parle un peu l'espagnol. Mais l'anglais, c'est, j'ai appris l'anglais, moi, le français. Non, lâche-moi les baskets. C'est vrai, tout le monde était là-bas, moi, je n'étais pas là. Mais c'est comme ça, en fait. Tu vois, si je veux partir me recueillir sur la tombe de mon artiste et où, tout ça, je fais ça dans la discrétion. Sinon, je suis là. Je pense que de là, ils sont tous partis dans le restaurant de Dolo Pachala. Voilà, donc je vais faire mon vent vers là-bas. Je vais me réveiller en disant, hein, ils sont en train d'envoyer ton ami à la mort. Là, c'est de nouvelles choses. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il insultait tout le monde, mes proches, même le ministre. Il insultait tout le monde parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Parce que il ne croyait pas en fait. Il ne croyait pas que l'homme qui il mangeait avec lui, il dormait avec lui, il faisait tout avec lui, il n'est plus de ce monde. C'est faux. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Il écrit son nom, il faisait tout. C'est lui, il ne voyait pas clair. Il n'arrivait plus à dormir. Et puis ça s'est passé, il n'y arrivait plus. Pendant au moins 4 mois, il dormait chaque 6 heures du matin, il transpire 6 mois quand je dors. Je transpire 6 mois quand je rentre à 2 heures, il n'y a personne. Les alarmes sont en train de sonner, il n'y a derrière personne.
Mais un vent, tu me tapes. Il me suivait, il ne dormait pas. Ici, sur mon lit, il transpire. Malgré le climatiseur, c'était chaud. Influamento a fait le son. Bobo Avatar a joué la guitare. Chèque de Paris, allez vous cacher les artistes. Ha, yanda doua ou. Avec un David Bero, David Bero, David Bero, David Bero, ouais, ça allonge. Ouais, calé. On te voit plus là. Tu n'appelles plus. Après la débandade au 26 janvier passé, on vous a plus mis pour aujourd'hui. Chacun a sauté. Hein. Non, c'est vous qui avez sauté. Ah non, créé sa société. C'est vous qui avez sauté. Nous, on n'a pas sauté. Nous, on est là. Aujourd'hui, on n'est plus. Ma vie, c'est le travail. Puis, je ne joue pas avec. Parce que ça me fait pas mal. Et de rester à côté de quelqu'un pendant combien d'années, puis n'est plus. Je n'ai pas réalisé ma vie. Je ne regrette pas tout ça. Oui, je ne regrette pas. Sans doute, peut-être c'est Dieu qui a fait. Oh Dieu, voici le petit B. Voilà, le piment qui est doux. Qui est venu dans mon coin, ça me fait beaucoup plaisir. Ouais. Voici le vieux père, toi riche. Donc. Paul Mano, il a quoi contre moi? Mano, tu as quoi contre moi? Non, moi, pas qu'un second de Dieu. Non, même pas. Nous, on a toutes les informations. Ça vient d'où tu veux. Souvent, tu mets les mots, tu me clash. Quand tu fais tes vidéos, puis tu as créé les textes là, tu téléphones. Non, mais Didi, est-ce que. Tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se mettre en vivant à la fin. Même si je le devais, il n'y a pas quelqu'un qui peut se mettre à la fin de moi. Il n'y a pas. Tu sais. Mais vous le connaissez mieux, Didier, que vous tous. Dans tout le monde. Mmh. Donc, ce qui est dans ton cœur ici, là, moi, il t'a appelé dans mon coin pour trancher la faute. Et si vous avez dit, même sur les réseaux sociaux, bavardé. Moi, tu fais ta table, elle te bastonne. Là, c'est comme moi, champagne, c'est des réchuses. Comme vous avez dit, bon, moi, c'est moi, vous, c'est. Ok, c'est nous. Mano. Ouais. Bon, je te donne ça quand tu viens d'arriver. Donc, c'est symbolique. Plus de palabres, respecte ton grand frère Yuyu. Eh ben, Yuyu. Ouais, vas-y. À bas là-bas. Petit frère. L'empereur. Tu es devant toi. L'empereur. Faut pardonner. Ce qui t'a fait, enlève la haine dans ton cœur. Non, tu sais. Voilà. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de rancune contre mon petit frère. On a perdu quelqu'un, chacun avait mal. Il y a trop de choses qui sont passées. En fait, il est grand frère. Moi, je te demande de bouger. C'est vrai, quand on ne veut pas, c'est juste mon grand frère. Donc, même si j'ai eu à. Nous dans la même âge. J'ai eu à dérailler. Moi, je présente des excuses. Ouais. Il fallait se réconcilier. Parce que pour faire quelque chose, il fallait que tout le monde soit d'accord. Ouais. Bon, mais si son revenant même vient, il a attrapé maintenant. Il faut lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est. Tantôt, il parle seul. Tantôt, il prend mon portable, il lance son numéro pour voir si vraiment il est là. Il m'oublie, en fait. Bon, Arafat, c'est dans le sang, c'est un don. Il est fort. Sans médicaments. Sans pour dire, il est dans. Non, c'est dans le sang. Papa chante, maman chante. Enfin, lui-même, il ne savait pas qui il était. C'est le jour de sa mort. Ceux qui ne l'aimaient pas ont vu que vraiment, c'est une légende. C'est un monument, c'est un patron. La dernière phrase qu'il m'a dite avant de sortir. Bébé. Jésus, oui. J'ai fait. Voilà, maintenant que. Moi, je dis. Quand je regarde la photo d'Ange Didier, je lui dis, tu m'as trahi. Toi-même, tu as dit. Il y a un an de cela, tu me disais, maman, je t'aime plus que tout. C'est comme ça, il m'a toujours dit. Maman, j'ai signé dans une grande maison de distribution. C'est pour toi. Parce que papa ne veut plus. C'est pour mes enfants. Il donnait plus dehors. Mais à la fin, quand il avait besoin des gens, même les premiers instants de sa mort, on a sorti mon fils. Quand j'ai touché son corps, il lui faut pardonner. Tu es seul aujourd'hui. Il ne voulait pas pardonner. Il pardonne.
Pour que tu puisses. De la paix. Il est mort avec la trahison dans son âme. Il est mort avec la trahison. Il a trop donné. Il a reçu peu. Je sais ce que c'est. Je sais quand tu ouvres ton cœur à des gens qui à la fin te met le couteau dans le dos, dans l'âme. Je lui dis, il est mort. Voilà les 1 an. Qui souffre? C'est moi, Valentine. Ce sont ses enfants. C'est vrai que mon mari n'est plus là. C'est vrai. Mais je vais continuer à vivre. Voilà, parce que il m'a laissé un enfant. Je ne vais pas passer mon temps à me morfondre, à être toujours triste devant ma fille. C'est pas possible. C'est que vous ne me connaissez pas. Voilà. Je vais toujours vivre. Je vais vivre. Je vais sourire. Ce qui ne vous plaît pas, là, je vais vous donner. Et vous allez aimer. Voilà, je vais vivre. Ma fille sera épanouie, tranquillement, dans la paix. Je vais essayer de le laisser partir. Et je demande aussi à ses amis de le laisser partir. On va l'accompagner avec des habits blancs. On va l'accompagner avec sa musique. On va l'accompagner avec ce qu'il aimait manger. La levée de deuil, c'est pas du business. Sa famille, c'est moi, sa maman. Mesdames et messieurs, c'est un son que vous écoutez, la Rafa DJ. Ce son est dédié à tous ceux qui aiment la Rafa, c'est le cadeau du siècle. Scalva! Je m'appelle Arnaud Fato, 3500 mois d'animation. Y'a pas le même pour moi. Afrique catholique. Bientôt dans les packs. Yeah, y'a quoi, 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 Arafat, que la terre te soit légère. Ainsi va la vie. Nadreo, en tout cas c'est Dieu. Yeah. Oh, yeah. Nadreo, en tout cas c'est Dieu. C'est quelle nouvelle ça là, on est posé chez nous. On nous dit comme ça que tu as fait un accident. Ce programme vous a été présenté par Orange. Avec Wow Music, tu peux écouter des millions de titres à 5 francs seulement la chanson. Wow! Wow Music, l'appli de streaming musical qui va te laisser bouche bée. Retrouve 11 millions de titres internationaux, dont 1 million de musique afro sur ton téléphone à partir de 5 francs seulement la chanson. Et si tu souscris avec Orange, tu peux écouter ta musique sans toucher à ta data. Wow Music, le son qui te met zon. Télécharge gratuitement l'appli Wow Music sur Play Store et App Store. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Dans les années 90, une petite fille crève nos écrans avec un clip vidéo. Son nom, Belinda. Mais ce que les Ivoiriens ignorent, c'est que dans ce clip, qui a vu la participation de plusieurs stars du show business ivoirien de l'époque, figurait celui qui deviendra des années plus tard le numéro 1 de la musique ivoirienne. Wong Ange Didier. Qui est-il? Sa mère nous en parle. J'habitais à Cocody, au nid de Cocody, avec mon époux.
Je ne peux pas oublier cette date, le 26 janvier 1986. De 20 ans.